On va bien évidemment poursuivre notre investigation sur la Ligue 1 et on va s'intéresser cette fois non pas à Newcastle mais à Angesco. Avec euh, les Angevins, on l'a dit, qui sont dans une bah, position complètement différente de celle du FC non. Tes Les trajectoires d'ailleurs sont, sont inversées, les courbes sont inversées. Ouais. Angers avait bien commencé, ça plonge un petit peu. Tu, tu suis quand même un peu le championnat de Ligue 1 dans sa globalité oui, bien sûr. Mmh. Je suis toujours posté, toujours, mmh. tous les week-ends. Angers, tu crains pour eux Tu as un petit peu de doute sur leur capacité à se maintenir cette saison Non, pas, je ne crains pas. Pourquoi Parce que j'ai envie de dire, même s'ils ont fait, je ne sais pas si c'était dernière ou il y a deux ans, une saison euh, bien meilleure, c'est un club qui a certaines vertus et des valeurs. Et, et ces valeurs-là, ces vertus-là vont nous permettre de se maintenir. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que ils sont habitués à être dans, dans cette zone-là. Ils savent faire. Mmh. J irais, j irais, je m'inquiéterais plus pour euh, des équipes comme Monaco, notamment. Qui sont pas habitués. Et, qui sont pas habitués à ça. Et quand tu dois retourner la tendance face à une situation comme celle-ci. Euh, tu tires dans tous les sens, tu ne sais pas où donner de la tête. Et tous les week-ends, c'est un, un cauchemar. Ouais, et puis là, en ce moment, c'est vrai qu'avec leur capitaine suspendu, Ismaël Traoré, mmh. la défense a un petit peu tendance à prendre l'eau. un 4 buts encaissés à Saint-Etienne, alors que les Angers en ont marqué 3 mmh. à l'extérieur, ce qui est assez paradoxal. Une élimination contre Guingamp en Coupe de la Ligue. La semaine a été mauvaise. On va d'ailleurs regarder la tête d'Ismaël Traoré qui pose pas mal de choses sur les, les, les réseaux sociaux. Mmh. Voilà, il a plus la tête du boxeur qui a perdu. <laughs> ouais. Salut. <laughs> hein euh, bon, en plus euh, on aime bien Ismaël Traoré parce que c'est quelqu'un qui est toujours qui répond toujours présent et toujours ouais. aux, aux interviews euh, et on est persuadé bien que le, les enjeux effectivement vont, vont redresser la tête. On va euh, évidemment regarder ensemble ce qui va se passer donc pour nos deux clubs des Pays de la Loire euh, en Ligue 1 cette, euh, ce week-end. Ce sera donc Angers contre Montpellier. On l'a dit, ce sera samedi soir à 20h. Attention hein, Montpellier, l'équipe ouais. en forme. Michel Vercairan. Ouais. Exactement. Bien connu. Oui, bien connu. Euh, pareil, je veux dire. On décrit un peu son style de jeu assez défensif, mais on oublie vite que la meilleure façon d'attaquer, c'est de bien défendre. Déjà. Et Aujourd'hui, lui, il a la chance, en plus d'avoir un bon bloc défensif, d'avoir des attaquants qui sont euh, Efficace. efficaces. La board. Euh, Je ne pensais pas qu'ils allaient être complémentaires, mais il s'avère que oui. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Hein. Leur deuxième place euh, peut-être surprise de par le prestige, entre guillemets. Mais euh, sur le terrain, ce qu'ils produisent, euh, c'est amplement mérité. Amplement mérité. On l'a dit, redit, ce sera le derby à Rennes pour le FC Nantes. Ce sera dimanche, cette fois, euh, à 17h. On a terminé, Fabrice, notre euh, tour d'horizon de la Ligue 1. Je fais attention parce que tout à l'heure, ça, ça a cramé. Ah, ah, ouais. ah ouais, elle est pas mal <laughs> cette corde